que jamais personne n'a tenté. Il fallait pas me trahir. C'est toi qui m'as appris qu'on pouvait compter que sur soi. Café? J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Tu devrais demander au curé si tu peux dire quelques mots pendant la cérémonie. Moi, j'ai pas parlé. Bah sinon, y a pas une chanson que t'aimerais chanter pour elle? Regarde. Jésus répondit : vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Pour naître de nouveau, faudrait déjà pouvoir sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, j'ai rêvé que je me réveillais toute seule dans la cellule. Madeleine était morte. Toi, t'avais disparu. Il n'y avait plus que moi. Remarque, faut bien que j'apprenne à me débrouiller toute seule maintenant, non? Attends, je vais t'aider. Papa, j'aurais pas abandonné ma sœur. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais, t'inquiète pas. Mais il faut pas traîner. C'est à ça que t'aurais voulu que je ressemble. Peut-être. À une certaine époque. Mais c'est idiot. J'aurais mieux fait de... Bonjour. Vous êtes Vincent? Bonjour Vanessa. Enchanté. Entrez. Vous n'avez pas de facture, j'imagine? C'est un objet de famille. Vous êtes obligé de le prendre? Madame, je n'ai pas le choix. Je dois utiliser toutes les solutions possibles pour rembourser au maximum la dette de votre mari.
sont mes dettes maintenant. Vous n'en aviez pas connaissance, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça change ? On arrive maintenant à 13 000. C'est dérisoire. Ça permettra de tenir un peu en attendant le nom de la maison. Maman, est-ce qu'on peut manger ? Une minute, chérie, je termine avec le monsieur. Il va acheter notre maison ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est Félix qui m'a dit ça. Pas du tout. Le monsieur est là pour aider maman. Ok ? Félix, tu prépares le lait, s'il te plaît ? Ok, maman. Ok, merci. Laisse-moi le voir, on s'en occupe. Personne n'a osé faire ce que tu m'as fait. Laisse-moi tranquille. T'apprends vite avec moi. Reste à ta place, par contre. Papier, s'il vous plaît. Mon compagnon, Alain Loiret. Allez-y.
Mon compagnon. Ah non, mes condoléances. Condoléances. Mes condoléances. Votre mère était quelqu'un de très apprécié ici. Merci. Vous me confirmez que vous êtes les deux seuls membres de la famille à assister à la cérémonie ? Oui, on est juste tous les deux. Très bien. Monsieur Meyer. Oui. La cérémonie va pouvoir commencer. Merci. Je vous laisse vous installer. Nous sommes tous réunis ici pour évoquer la mémoire de Madeleine et lui dire adieu. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner une petite signature, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors ne soyons pas tristes, car Madeleine repose maintenant à la droite du Seigneur dans un bonheur éternel. Vous allez pouvoir maintenant, chacune d'entre vous, lui dire un dernier adieu. I heard it was a secret code that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? But it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing alleluia, 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 alleluia. Face was strong, but you needed proof. You saw everything on the roof, her beauty and the moonlight of a poor young. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Pour les enfants. Mais je n'arrive plus à vous regarder en face.
Du fond de mon cœur, je te demande pardon. Et votre fils, il est où? Il est resté là-bas, chez son père. Il a que 4 ans, alors... On sait. Madeleine en parlait souvent. Elle aurait bien aimé le rencontrer, hein. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'elle connaisse son petit-fils. Tu m'avais pas dit que tu savais chanter comme ça? Bah, comme tout le monde, quoi. Quand t'aimes une chanson, tu la chantes beaucoup. Je fais ça depuis que je suis petite. T'es assurée? C'est grâce à toi. Moi, quel rapport? J'ai plus peur, quoi. T'inquiète, hein. Je sais bien que t'es pas amoureuse de moi. Débrouille très bien toute seule, tu vois. Tu vas où? Je me sens pas très bien. Je reviens. C'est ok, tout va bien, j'ai rien à signaler. Ouais. J'ai un message pour le directeur de la part de la fille de Madeleine. Vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît? Ok, je vous accompagne. Oui, le corbillard partira dans une demi-heure, avec la famille. Le véhicule. Merci. Oui. Pardon de vous déranger. Rivière a un message pour vous. Merci, je m'en occupe. Un message? De qui? De moi. Je voulais vous remercier de vous être battu pour Madeleine et pour Ophélie. Mais c'est mon boulot. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et bien maintenant, toutes les filles savent que vous êtes sincères avec elle. Et moi, la première. Et... moi, je vous ai mal jugé. Je me suis méfié de vous, j'ai eu tort. Oui. Monsieur le directeur.
Satan, la famille va bientôt partir. Oui. J'arrive tout de suite. C'est gentil, on va s'en occuper. S'il vous plaît, j'insiste. C'est par là.
Pierre. Hein? De quoi vous parlez? L'homme qui était avec la fille de Madeleine, c'était pas son mec. Je savais bien que sa tête me disait quelque chose. Putain, mon badge. Ouvre-moi. Pourquoi il s'arrête? Vas-y, dégage. Ah bah maintenant, on sait où elle était. En train de mettre en place le dispositif. Il devrait pas aller loin. J'étais sûr que Rivière était pas net. Je la sens pas depuis le début. Et je me trompe rarement là-dessus. Vous mettez toujours les gens dans les cases comme ça? Vous ne connaissez même pas ce sujet. Monsieur le directeur, il nous manque une autre détenue. Malika Douar. Vous non plus, apparemment. Vous, fouillez les cellules des deux évadés. Vous interrogez les codes d'écoute. Toi, tu n'y arrives pas. Ils ont repéré la voiture de la fille. Vous faites quoi là? Je vais avec vous. Hors de question. Je vous ai dit à chacun son métier. Vous feriez mieux de vous occuper de votre prison, hein? Ou plutôt de ce qu'il en reste. J'ai jamais aimé les cow-boys. Continuez, je vous arrête pour obstruction à un agent de la force publique. Vous imaginez le tableau? Le directeur de la prison et le tout devant ses détenus? Ça ferait joli, ça, vous? Pas le temps, allez. On a la raison, faut y aller. Je m'occupe du corbillard. C'est ma mère après tout. Merci. Ok. Ça te présente pas mon mec du coup? Une famille réunie, hein?
va me dire quelque chose, papa? Hein? Mais attends, je t'ai pas remercié, toi. Putain. On passe aux choses sérieuses maintenant. Après vous. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vérifier ce qu'ils font dans les cellules. Vous les lâchez pas d'une semaine. Évidemment. Les huiles. Oui, monsieur. Meyer, cette fois, ça fait beaucoup. Vous êtes convoqué pour un entretien avec le directeur des services. Quand? Vous devriez déjà être en route. Monsieur, c'est-à-dire que... Vous aviez prévu un sac pour elle? C'est lequel? Celui du dessus. Bah, qu'est-ce que t'attends? Prends-le. Avance. Je pense même pas. C'est la fille de Madeleine qui vous a aidé? Sympa de sa part, vu ce qu'elle risque. Faut croire qu'on peut encore compter sur les autres finalement. Parfois. À la minute où t'es rentré dans cette prison, j'ai compris. T'as compris quoi? Que j'aurais pu être comme toi. Il y a longtemps. Trop longtemps. On l'a fait, maman. On l'a fait, putain. On a réussi, comme tu m'avais demandé, hein. Sortez du véhicule! Sortez du véhicule! Main sur la tête! Capitaine Brandt, où sont les autres? Ils sont partis dans quel véhicule? C'est qui, ils? Alors écoutez, j'ai deux détenus en cavale. Et pas des moindres. Alors on va pas jouer aux devinettes. Mais moi j'enterre ma mère aujourd'hui. Ça n'empêche que vous êtes complice de criminels. Ma mère aussi était une criminelle. Elle a tué mon père le lendemain de mes 18 ans. Elle avait attendu que je sois majeure. Écoutez, j'ai toujours vu mon père battre ma mère. C'était parfois une gifle, parfois un coup de poing, parfois juste avec des mots. C'était peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Alors vous savez, moi, la culpabilité, l'innocence, j'en ai rien à foutre. J'y suis pour rien, moi. Votre mère, c'est pas moi qui l'ai fait condamner. Mais vous croyez pas qu'elle a mérité de reposer en paix?
bougerai pas d'ici tant que vous m'aurez pas autorisé à aller l'enterrer. Après, vous faites de moi ce que vous voulez. Bobby Drive à centrale. On a identifié un véhicule suspect, une camionnette. On l'a pas encore trouvé, mais on est sur sa trace. T'as tué les gars pour ça. Et c'est toi qui allais en profiter. Bah reconnais-moi que c'est pas juste. Bon. Bah, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. On vous dépose à l'aéroport, c'est sur notre chemin. Quoi l'aéroport? Pourquoi faire? Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il comptait partir loin. Je me trompe? Après, c'est vrai que... sans billets et sans argent, l'avion, ça va être compliqué. Mais vous inquiétez pas, vous serez pas seul. Il y aura les flics qui seront là. Retour à la case prison. En famille. Avec le petit dernier. Ça sera sympa. Enfin, après, moi, je dis ça, j'en sais rien. J'ai jamais eu de famille. Putain, Malika, c'est quoi ton délire, là? Pourquoi on leur colle pas une balle dans la tête, on les laisse dans la forêt? Diversion, mon amour. Diversion, les flics seront occupés avec eux à l'aéroport, ça nous donne de la marge. Ok, on prend pas de risque. Hé, bouge-toi! Moi, je dis qu'on va à l'aéroport. Enlève les menottes du grand frère. C'est toi qui conduis. Vamos! Monsieur le juge, pardon de vous déranger. Il y a une dame qui... Je suis la veuve de David Kayat. C'est lui qui a tué Martin Meunier. Oui, allô ? Nicolas Meyer. C'est le juge Barnier. On s'est déjà parlé. Ah oui, bonjour, monsieur le juge. Oui, au sujet d'Anna Rivière, je me souviens, oui. Précisément. Je voudrais lui parler. Lui parler ? C'est-à-dire que je suis pas au centre pénitentiaire, là, mais... de quoi s'agit-il ? Bien, écoutez. Ok. Quoi ? Je vais prendre le chemin là. Pourquoi ? Hé, hey, tortue ! Tu vas ralentir au point, c'est pas juste.
Bon, écoutez-moi bien. Le juge vient de m'appeler. Il a des preuves de son innocence, je vous dis. Elle est peut-être innocente de tout, mais pas de son évasion avec sa complice, Malika Douar. Une délinquante multirécidiviste qui, elle, est tout sauf innocente. De toute façon, ils sont localisés. On va les stopper. Les stopper? Comment ça, les stopper? Putain, déconnez pas, Brandt. Vous êtes où, là? Putain! Ça marcherait pas, putain. Calme-toi. Tu commences à faire chier, Malika. Je t'avais dit qu'il fallait pas prendre de risques. T'as essayé de me baiser, hein? On change rien au plan. Par devant. Je m'occupe d'Anna. Reste là. C'est pas négociable. N'oublie pas que tu n'es plus toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il faut? Reculez! Papa, arrête! Reculez, je vous dis! Restez où vous êtes! Reculez ou sire! Baissez votre arme! Papa! Écoute-les! Baissez votre arme! Papa, reste free! Oh! Oh! Elle est innocente! Laisse-moi passer! Brandt, elle est innocente!
Laissez-moi lui parler. Vous voulez me piéger, hein, c'est ça? Non. Le juge m'a appelé. Elle a été innocentée, c'est officiel. C'est fini. Eh, hey, doucement. Innocente. Où sont les autres? Où sont les autres, putain? Foncez à l'aéroport. Et vous, appelez des renforts! Maniez-vous! Viens, on y va. Il faut retrouver les deux autres. J'ai été convoqué ce matin par ma hiérarchie, sûrement pour être mis à pied. Ce serait dommage. Il ne doit pas y en avoir beaucoup comme toi. En même temps, ça tombe bien, j'ai envie de changer de vie. J'ai été innocentée. C'est fini.